Tout est prêt au Qatar pour la grande fête du football. Un feu d'artifice a été organisé pour les fans déjà sur place un jour avant la cérémonie d'ouverture dans le stade Al Bayt et un premier match qui verra s'affronter les équipes du Qatar et de l'Équateur, toutes deux rivales du groupe A. Le feu d'artifice était incroyable, estime ce supporter argentin. J'ai participé à 25 événements de ce genre, les JO de Rio et de Tokyo, la dernière Coupe du Monde en Russie, mais je n'ai jamais vu un tel feu d'artifice où que ce soit dans le monde. Et alors que tous les supporters ne sont pas encore arrivés, de premières difficultés se sont fait sentir dans les fan zones. Ce samedi, des milliers de personnes ont été refoulées d'un concert célébrant la Coupe du Monde, révélant les défis à venir pour Doha concernant la gestion des foules dans le tournoi le plus compact jamais organisé par la FIFA.